Bonjour, c'est Gray Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends. On joue Udyr Jungle. On est avec une Fiora, un Ryze, une Caitlyn, un Thresh contre Yasuo, Nunu, Diana, Lucian et Senna. On est en platine 2 et je suis un petit peu inquiet par l'équilibrage du matchmaking étant donné qu'il y a deux Smurfs en face, Nunu et Yasuo, et moi j'ai un Ryze à 25% de winrate. Autant dire qu'on part pas gagnant. Mais bon voilà, il faut pas rentrer dans le vice de trop regarder les stats avant le début de partie et de se dire si c'est déjà gagné ou perdu avant même que ça commence, donc on va faire au mieux. Il faut vraiment que j'empêche le Nunu de prendre trop de confort dans la partie. Ok, on a une Caitlyn AFK, quel plaisir. Bon, c'est le début de partie, rien n'est grave pour l'instant. J'espère vraiment que ça va aller, ouais. Il faut que je joue anti-Nunu. Bon, Nunu c'est un pick très très fort. Après coup, peut-être qu'il faudrait que je prenne un bout du rouleau assez vite contre un AP un peu tanky comme ça pourrait être pas mal. Ouais. Bon. Allez, concentré, il faut vraiment que je fasse une bonne game là, c'est vraiment important pour moi. Et je vais demander keyword. Ok, on a un retour de la décarie. Tout va bien, tout va bien. Alors on a une Senna en face, je crois que c'est la première partie que je fais contre une Senna, même avec une Senna tout court. Bon, je connais pas très très bien le perso, même si j'ai vu un peu des trucs, des petites vidéos par-ci par-là. Hop, bon, Thresh, c'est gentil, mais j'ai pas tant besoin d'aide. Voici, bon, si, ça me fait un peu gagner du temps. C'est surtout une question de temps, davantage que de PV avec Udyr quand on fait des pulls. Il faudra vraiment que je joue les objectifs, les carapateurs en particulier. Je verrai comment je peux faire ça. Le truc, c'est qu'avec Udyr, en fait, si on fait pas les gromps, on arrive beaucoup trop tôt pour le carapateur. Et si on fait. Pardon, pas les gromps, les Krugs. Et si on les fait, on arrive un tout petit peu trop tard. Du coup, c'est un petit peu relou. Et si elle le rush direct, le carap du haut, je risque d'avoir un problème. Après, Nunu, en théorie, ça commence au bleu, je pense, hein. De manière assez nette. On verra. Hop. Et le problème, c'est que si je voulais faire le carap direct, il faudrait que... Ok, bien. Il faudrait que je prenne le E au level 3 et du coup, je pourrais pas maxer mon Q-spell niveau 2. Et ça, ça me plaît pas trop. Voilà, Nunu qui commence. Nunu qui va éclater la game, hein, je le sens vraiment. Je le vois venir. Donc là, ça va être à moi, hein, de faire un bon job pour que ça ne soit pas trop problématique. Faut que je leur dise que le Nunu il se meurt. Ok, GG Fiora, juste avant que j'arrive. Ok. Peut-être que j'ai une chance de le choper. Je l'ai là, non? Help. Putain, j'ai pas de mana. J'avais pas de mana, putain, je pouvais mettre un stun et courir. Je suis archi triste. Ah là là, la déception. Bon, c'est Fiora qui a rien fait de mal, hein. Elle était le life. Ah, je pensais vraiment. J'ai hésité en fait. Je pensais terminer le. J'ai pas flash in direct en fait, Nunu. Je pensais que le tigre allait la tuer. Et en fait, non. Et du coup, bah, j'ai flash, mais du coup j'ai pris un coup de tourelle et je meurs comme ça. Et j'avais plus de mana pour me passer en posture de l'ours et stun le Yasuo et gagner de la move speed. Putain, je suis archi triste. Bon, je mets 8 de farm à Nunu, qui a perdu un peu de temps, mais qui a chopé du coup les deux carapateurs. Ça, je m'y attendais un petit peu. C'est un peu de la merde. Il me semble que j'avais pas le smite quand je me suis retrouvé face à elle au carap, mais j'ai un petit doute là-dessus, faudra que je vérifie. Auquel cas, si je l'avais, j'ai fait une grosse connerie. Mais je crois que je l'avais pas.
Drake, 10 secondes. Ah non, le carapateur est pas pris ici. Ok. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Le bot qui a l'air d'être un peu pêche. Ah, j'ai presque envie de tenter le Drake en vrai. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, je vais venir. Ça se trouve, il peut se passer quelque chose. Ok, dommage. Il y avait juste un grappin à toucher et c'était bon. Et il crève en fait, what the fuck. Putain, puis moi je suis pas. Bah oui, mais bon, le grappé loupé, normalement fallait courir. Putain, j'avais le Drake. J'ai fait de la merde là. Moi je vais essayer d'aller choper Nunu, normalement qui est dans le bush là. Ah non. Je suis tellement triste. J'aurais tellement pu faire un truc. Bon, là ils vont se prendre Nunu. Si j'y vais bot, on crève. Putain, c'était vraiment de la merde. Comment il s'est fait choper très? Je l'ai regardé, il était full PV, il rate son grave, hein. Je me dis, bon, bah, à partir du moment où c'est raté, il faut courir. Et après, bah, je sais pas ce qui se passait, il est mort. J'étais à deux pas de leur tourelle, quoi. Au bout d'un moment, je peux pas aller sous la tourelle faire des kills, quoi. C'était s'il touchait le grappin, j'enchaînais, je mettais un stun, on faisait un kill. Fiora qui se fait ouvrir au top, ok, je vais essayer de venir l'aider. Je veux bien revenir, hein. Ah oui, d'accord. Ok, ça c'est très bien. Nunu qui prend des dégâts. Smite à 480. Ok, on va pouvoir choper le Drake. Je savais que Nunu était dans le coin là et je ne le voyais pas sur la bot lane. Elle a essayé de faire le Drake en sneaky en prenant la plante, en ne passant pas dans la vision du carapateur, ce qui était plutôt bien joué de sa part. Et j'ai senti le truc, hein, moi les Drake, c'est vraiment ce à quoi je prête toujours le plus d'attention quand je jungle. Allez, hop, là, il faut que je vienne bot. Thresh, tu nous fais un petit grappin. Et c'est le feu. Ça fait quoi ça? C'est quoi ça? Allez, allez, un grappin, mec. Voilà. Allez, on est en cours. Bon, ça se passe. Ça se passe, on fait des trucs. Fiora qui se fait ouvrir, je vais essayer de venir l'aider, mais... J'ai envie de faire le gromp. J'espère juste que je vais pas me faire exécuter. Ah non, je suis safe. Allez, attention, attention au mid. Je vais prendre ça. Il me faudrait une pink, ce serait pas mal. Ok. Allez, je vais récupérer le raid. Je fais un petit clean de ma jungle. J'ai mon Tiamat, ça va aller beaucoup plus vite. Bon, Nunu que j'arrive à empêcher de snowball, c'est bien. Donne comme. Ah oui, d'accord, on en est là. En vrai, Yasuo, moi je peux le tomber. Hein. Il a rien pour éviter mes stuns ou des trucs comme ça. C'est un bon counter des champions qui ont des skill shots ou des choses comme ça, mais contre Udyr, Yasuo, ça fait pas grand chose. Hein. Je le stun, je le calme. Sauf si bien sûr il a trop d'avance, mais. En principe, si je vais, on le tue. Hein. Bon, je vais garder les yeux sur la map. J'aurais peut-être pu aller récupérer le farm mid là, mais bon, je pense que ça va. Le Ryze va arriver à peu près à temps. Non, je vais venir top, on le tue, hein, 100%, hein. J'ai flash. Alors je vais essayer de pas trop commit si elle veut pas et que je sois pas le jungler relou qui vient pour donner un kill. Ah là, elle se fait rect. Attends, qu'est-ce qu'elle fait là, quoi? Elle dit qu'elle se fait chier dessus, elle a pas de vision et elle crève aux deux tiers de sa lane, quoi. C'est un peu bizarre. Hop. C'est exactement ce que je disais, hein. Yasuo, je le recte. Il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, je vais prendre le farm. De toute façon, elle veut pas que je vienne, elle veut pas que je l'aide. Et ça allait se mettre sous la tourelle. Je vais essayer de venir au mid. Peut-être choper un carapateur ici, ce serait bien. Ok, il est pris. J'avais une pink à lâcher, éventuellement. Ok, Nunu est là.
What the fuck, je lui mets deux levels. Ok, je suis en train d'exploser la game. C'est vraiment ce qu'il nous faut. Fiora, tu viens. Ok, là, il fallait que je flash. J'aurais bien aimé pouvoir voler le bleu. Mais bon, vaut mieux survivre. Je perds un flash, c'est un peu dommage. Ok, il y a une ward ici. Peut-être que je peux la prendre. Ah, elle va encore se faire ouvrir au top. En vrai... c'est pas bardé. Ouais, et après. Par contre, mais elle se fout de ma gueule ou quoi? Oh, ça me tilt ça, putain. Mais fallait venir là. Bon, effectivement, on a un problème de top lane. Bon, j'ai trop de chase, en fait, il a pu recharger sa tornade. Là j'ai pas bien joué, hein, très clairement, mais... Putain, je pensais que ça allait follow, quoi. Je me dis, bah, je le stun, et puis direct, on lui tombe dessus, mais je sais pas, elle vient pas. Et j'ai chase trop loin, j'ai pris un mauvais pattern, j'aurais pas dû me prendre la première tornade. C'est aussi un peu ma faute, là, mais... Franchement, ça saoule, quoi. Bon, j'arrête de jouer sur la top lane. Je vais essayer d'aider la bot qui a l'air pas trop mal. Là, effectivement, je pense que le temps que j'investis au top, c'est du temps perdu. Alors que la Keltine a l'air pas mauvaise, je vais essayer d'aider le bot à snowball. Ce sera bien mieux de jouer autour des objectifs. Là, on a un infernal, il faut vraiment pas qu'on le rate. Mais putain, je suis archi saoulé, quoi. Là, le top, n'importe quoi ce qui vient de se passer. Mais bon, j'ai ma part de responsabilité, donc je peux pas trop rager. J'ai pas été très très bon. En vrai, s'il n'y a pas le Lucien avec là, parfait ça. Ça nous fait un infernal. Alors, je vais juste me prendre la régen. J'ai le smile dans 10 secondes. Il faut le pull. Hein. Bon, on a un problème de top lane, hein, vraiment, c'est ça qui nous met au fond. Smite à 600. Ok, le flash est claqué sur Nunu, putain, décidément. Nunu se fait un petit peu dégommer sur sa partie. J'ai vraiment essayé de faire en sorte qu'elle puisse pas vraiment s'imposer. Je pense vraiment que s'il y avait eu quelques kills de plus dessus, ça aurait été un énorme problème. J'ai vu son winrate et ses KDA, ça fait très peur. Mais là, a priori, c'est pas, ce sera pas le cas sur cette partie. Donc j'ai dit, ne pas trop jouer autour du top, alors par contre on a Nunu qui est reparti vers sa jungle au raid. Allez, ça c'est vu, on se prend pas le... On se fait pas catch s'il vous plaît les potes. Il faut vraiment que j'essaie de stomp la game, mais il faut que j'arrête de perdre du temps sur le top, quoi, c'est vraiment ça. Je pense que je vais faire un Herald. Là, normalement le Nunu me laisse le temps de le faire, ok malheureusement. Il y a le Karab qui prend la vision, c'est un peu dommage. Ouais. Peut-être eu moyen de faire quelque chose, mais... Est-ce que je reviens quand même top? Oui. Il y a beaucoup de dégâts qui sont placés sur l'Yasuo. Oh putain, ça aurait pu. Ah voilà. Bah oui, forcément, quand on me suit. Ah putain, le stun est juste passé. Oh là là, le burst de Diana, c'est quelque chose. Hein. Je m'attendais à pouvoir mettre... si je pouvais mettre AZ, je survivais. C'est qui a flash? C'est Fiora ou c'est... Oui, c'est Fiora qui a flash, merde. Bon. C'était quand même pas mal, on a chopé l'interruption sur Eliasuo. Ça a aidé peut-être Fiora à revenir un petit peu. Je vais prendre le phage, hein. Très très bien le phage. J'ai eu les deux Drake. GG. Je vais reprendre une pink. C'est bien, hein, la team suit. Hein. La Fiora a l'air, même si elle est un peu semi-tilt, un peu en train de se faire destroy, elle continue à essayer de jouer. Elle va peut-être pouvoir comeback. Et Fiora, de toute façon, c'est un perso qui est dangereux, même si elle est pas bien dans sa game. J'aurais bien aimé que le Ryze prenne la vision sur le raid avant de back, pour me donner l'info. En plus, il avait son trinket de dispo, je crois. Bon. Ah, il n'a pas back. Ok, bah nickel, il a pris la vision. Merci à toi. Il veut venir bot, je vais choper le Karab parce que ça c'est juste vital, et je viens direct après.
Allez, go. J'aurais même pu ne pas faire le carab. Des fois, c'est des décisions là où je suis pas très bon, les carab. Des fois, je me dis à tout prix, il me le faut. Ok, j'ai lâché le smite JKS. C'était pas spécialement volontaire, mais je voulais au moins avoir une. Je voulais prendre l'assist en fait, je pensais pas prendre le kill. Allez, là, on va chercher la tourelle par contre, très clairement. Bon, vraiment, bonne bot lane. Oh, j'ai presque envie de dire on se fait le mur, ouais. J'aurais presque pu lui caler un stun. Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas trop. Bizarre. En vrai go hein. Alors moi j'ai un petit problème de mana, faut que je fasse attention. Bon ils sont tous au top. Normalement là c'est une tourelle qui tombe. Je vais même aller récupérer les petits golems après là. On a une bonne Caitlyn, hein. Ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Mettre une pink ici. Ah oh, j'avais envie de flash in. Franchement si j'avais pas la Senna derrière, je lâchais flash in, j'avais le smite glacial, ça pouvait tomber très vite. Mais après j'avais pas trop de mana, donc ça c'est un peu compliqué quand même pour moi. Mais là, là c'était vraiment... c'était vraiment pas mal. Ok, Drake Infernal, 1 minute 20. Bon ils ont le héros, ça c'est obvious, mais bon de toute façon... nous on a chopé une tourelle, il y a plus de tourelle top, c'est pas vraiment problématique. Entre un héros de la faille et un Drake Infernal, mon choix est vite fait, hein, très clairement. J'espère que Caitlyn va s'en sortir. Ah bah attends, mais il faut que j'y aille là. Oh là là, putain. Alors. Ah, le heal. Alors, j'avance pas, c'est un plaisir. Pourquoi je suis ralenti comme ça? What the fuck? Je n'avançais pas. Dégâts. Double tir. Je comprends pas. J'ai pris un slow, non? Pourquoi j'ai pas eu le kill? J'ai le phage, j'ai les bottes de célérité, j'ai la posture de l'ours. Bah normalement, moi je me voyais, je prends le kill, je chope le triomphe. Et comme ça je survis et je fais le doublé quoi, c'était assez clair dans ma tête. Bon, bah c'était... j'ai dû me surestimer. Là c'est vraiment... il faut qu'on rush l'infernal, putain je vais être en retard. Je vais être en retard à fond. J'ai en plus perdu mon flash. Qu'est-ce qu'ils font là? J'aurais dû rush le Drake direct. Ok, c'était vraiment de la merde ce qui vient de se passer là, et voilà. Putain, ça me gave. Je vais pas l'avoir à tous les coups. Je vais pas encore ma trinité, j'avance pas assez vite. Ah, c'est chiant! C'est très chiant, bon, je crois en le raid. Ça, c'est vraiment sur le move de merde au bot, hein, mais... Toi, si je te chope... Bon, j'avoue que c'est un peu du grid, là, j'ai pas de vision, on va éviter. Mais, ah, c'est tellement dommage. J'avais fait plutôt une bonne game au niveau macro jusque là, et là par contre de prendre l'agression au bot c'était vraiment nul. Allez, ok, hop, j'ai fait claquer deux ultis, c'est excellent. Très très bien joué de ma part. Ok, le trash en plus qui a bien suivi, c'était nickel. Je vais aller récupérer le petit bleu, mon Fiora qui nous fait encore je sais pas trop quoi. Ils ont l'air de jouer beaucoup en paquet en face. Je pense qu'il faudrait du coup adopter une stratégie de split plutôt. Alors toi mon petit Yasuo là. Alors par contre il faut me suivre. Hein. Là je suis pas censé être tout seul là. Hein. Putain, c'est pas normal qu'ils soient restés en vie aussi longtemps là, on est 4. J'ai l'impression qu'ils ont ils ont tourné pendant 1000 ans. Ah ça m'énerve. Bon, on a un problème de Yasuo, je vais me prendre plaque du mort pour l'armure. Caitlyn qui met des beaux dégâts. Encore une fois, il y a un problème de cohésion là sur la team, le Thresh qui est à l'autre bout du monde, le placement est pas bon là. Il n'y a aucune aucune cohésion, positionnement, ça va pas. Faut qu'on protège Caitlyn à fond. Là on est en train de se faire un petit peu retourner la game. Ça va pas hein, j'ai vraiment peur qu'on perde. Alors qu'il n'y a pas de raison normalement.
Je sais pas ce que ça fait. Je déteste jouer contre des persos que je connais pas. C'est insupportable. Ok, il y a le Nashor dans 4 secondes. Est-ce qu'on le fait? Ça peut presque être un plan en vrai. Hein. Je pense qu'on a des gros dégâts. Bon, moi j'ai mon flash dans 90 secondes. Je vais arrêter de jouer avec eux parce que ça me tilte un peu là les fights de team qu'on fait qui à chaque fois ressemblent à rien du tout. Je vais partir un peu plus en split push. Oh bah oui. Salut toi. Alors t'es mort. Hein. Je t'informe. Eh bah le smurf nunu. Hein. Il doit pas trop m'aimer je pense. Je l'ai un peu rec non-stop. Ok, là ça vient sur moi peut-être. On va éviter de grid, on va aller prendre le raid. Il y a un Lucian qui se balade par là, peut-être qu'il est pas tout seul. Par contre le Yasuo est en train de trouver la partie, hein, ça va pas. Et à chaque fois que je veux fight contre lui, j'ai l'impression que ça se passe un peu bizarrement et qu'on devrait le tuer 1000 fois mais que finalement on finit par se prendre un ou deux morts, ce qui est assez bizarre. Ok, j'y vais, je peux me retrouver contre Yasuo Diana, ça serait bien que je sois pas tout seul. Ok, il y a Senna aussi. Ça fait quoi son truc là? Putain, il faudrait que je lise les sorts après. Ouais, il faudrait de l'armure, bon. On est pas trop mal en vrai, ça va, mais... Faut pas qu'on fasse trop d'erreurs et qu'on leur donne des trucs, parce que à force... Mais on va déwarder. Putain, ils ont le carap. Fait chier. Ok, pas de ward. Je vais peut-être back moi. Peut-être tout sonache hein. Ce serait bien qu'on ait de la vision dessus quand même. Bah oui. Bon là c'est aussi moi qui aurais pu aller caler une ward m'arranger. Mais lui dire quoi. C'est vrai que j'ai ma part de responsabilité là-dedans, mais bon. Pas le seul non plus. Hein. Y a un... Ok, là il faut le prendre le Yasuo qui back. Non, il s'en fout, très bien. Bon, je vais aller prendre le bleu. Je suis passé sur une pink, relou. J'avais pas de ward en fait à Kaleonash, comme je joue en plus en trinket qui déward, bah pas ouf. Je peux peut-être faire un petit trap ici pour Nunu. C'est compliqué en vrai là. Hein. Et puis on est en train de se faire éclater. Et je sais pas, tout le monde crève un par un à chaque fois. Il y a un Drake là, je vais essayer de le prendre. Ils sont combien là? Ils sont 3. Bah, moi je suis très très chaud pour y aller, mais il faut que ça suive derrière quoi. Drake, allez tous au Drake s'il vous plaît. Faut pas leur laisser les objectifs comme ça, on fait rien à chaque fois. J'essaie de faire des choses, mais le problème c'est que moi avec le perso que j'ai, je peux pas aller en 1v4 qu'on teste un objectif en fait. Bah là c'est fini, hein, mais je sais pas. 3 ici. Moi je vais aller split, hein, ça me tilt. Je peux pas rentrer dans les fights comme ça si la team est pas là en fait, hein, il faut bien le comprendre, ça sert à rien de me dire, bah lui dire t'es le jungler, bah oui mais si je suis tout seul en fait... Mais non on se rend pas, c'est pas fini. Fiora, si je vais split faut pas venir avec moi, oh là là... Putain, il faut def maintenant. Oh, les décisions, y a un problématique. Hein. Y a un souci. J'essaye vraiment mais... Allez rise. Il peut se passer des trucs. Faudrait protéger la Caitlyn hein, qui est pas mauvaise du tout, qui met des dégâts, mais... À chaque fois j'ai l'impression qu'il n'y a pas une fois où il y a eu des placements qui étaient corrects sur une action. Là on va avoir un gros souci, hein. Moi je peux pas me battre, hein. je suis pas encore au stade de la partie où je commence à faire un peu du tank. Je peux pas engager les fights en fait. Oh non, on a Caitlyn Ryze, hein, normalement on tient le. On peut jouer comme ça en défensif. Si j'y vais, là il se passe quoi? Allez, il faut être là par contre. Aïe. Bon, j'ai voulu mettre le stun sur Diana et je l'ai fait, mais. J'ai tout mis, les dégâts n'ont pas été suffisants pour la burst. Et bah, ça a catch toute ma team en fait, et tout le monde s'est fait des pops. Ce qui est forcément un peu chiant. Là je peux rien faire, hein, si je m'approche. Tout simplement. Bon bah tant pis. J'ai vraiment essayé. Hein.
Je sais pas, il y avait aucune cohésion de la team des fois, j'ai vraiment tout fait pour que le jungler en face n'existe pas trop. Et à chaque fois qu'il y avait un objectif, on était tous split, alors j'ai aussi ma part de responsabilité là-dedans, surtout sur le Nashor notamment, mais... Je vais mettre l'honneur à Caitlyn, qui je trouve a quand même été pas trop mal. Mais je suis un peu dégoûté quoi. Ah, puis je suis démo en plat 3, quel plaisir. Quel plaisir. Je suis le seul en positif de ma team. Je suis un petit peu saoulé là. Bon, je savais, j'avais bien vu les pourcentages de winrate au début, et je savais qu'on partait pas gagnant. Voilà, il y a deux smurfs en face, Yasuo et Nunu. Nunu, j'ai tout fait pour qu'elle puisse pas vraiment se mettre bien dans la game, mais bon, Yasuo smurf contre une Fiora qui s'est fait détruire. J'ai essayé de venir aider comme j'ai pu, j'ai dû être maladroit. Mais je suis un petit peu déçu quoi d'être démote là-dessus. Bon, c'est pas grave, hein. Après je travaille pas particulièrement, si je farme les games, je remonte sans problème, mais c'est un peu triste. Voilà, bah écoutez, les défaites ça fait aussi partie du jeu, je me suis efforcé de faire une bonne partie. Je pense que j'ai fait des erreurs de prise de décision et de placement, je regarderai la game à tête reposée pour me dire, bah oui là j'aurais pu être mieux. Notamment voilà, la vision sur le Nashor, j'aurais dû avoir une ward et la mettre, j'aurais dû m'arranger pour ça. Le problème c'est qu'après la team mettait pas du tout de pression, normalement si toute la team en face on la voit pas, soit on va tous au Nashor, soit au moins les lane push en split pour compenser, mais là non, ils faisaient rien en fait, donc c'est un peu compliqué. Bref, bah écoutez, j'espère que ça vous a quand même plu, si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter, je lis tous vos commentaires et je les réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt.